Salam la famille, jour numéro 2, il est 7h38 du matin. Faut qu'on se lève tôt pour profiter. Vous avez vu, mercredi, on a kiffé. La nuit, elle s'est passée comment, Sofiane? C'était bizarre, c'était dur à dormir. En fait, on a un bon lit, bonne couverture, bon coussin, mais c'est la pire nuit qu'on a passée. On n'a pas réussi à dormir de toute la nuit. On a réussi à dormir que vers 6h du matin. C'est-à-dire là, on a dormi une heure. Et je sais pas, c'est bizarre. Genre, on transpirait tout ça. Avec la France qui a perdu, peut-être c'était, je sais pas. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. On a payé 25 euros par personne en plus pour le petit déjeuner. On va voir c'est comment. A tout de suite. J'espère qu'il va être pas mal. Ouais, j'espère qu'il va être pas mal. Bonjour, c'est pour commander notre petit déjeuner, s'il vous plaît. Alors, pour le premier, ça sera un cappuccino avec du lait de soja. Un yaourt à la vanille. Et une omelette. Regardez ça. Bonjour. La femme. Désolé. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais juste voir une petite signature, s'il vous plaît. €50 Présente-nous ça. Donc là, on a ton omelette, ouais. Tes épinards, ouais. Et la moitié de tes pommes de terre. Ouais. Moi, j'ai une moitié de pommes de terre plus des champignons comme ça. Mmh. Et attends, je crois que normalement ici, il y a des œufs brouillés. Œufs brouillés. Ouais, c'est à toi. Ensuite, des échantillons. Cappuccino. Ah, yes. Chocolat chaud pour moi, un pain au chocolat, un croissant chacun, et des deux tartines, on a du beurre, de la confiture, deux verres de jus, des cornflakes, ça t'a mis un petit peu en plus, tu te rappelles hier. C'est où les cornflakes? Ah non, c'est les champignons. C'est les champignons, ça le tarif. Et un yaourt vanille. Oh, je sais pas, sort d'où cette madeleine. Cette madeleine? Ouais. Elle était là. Pourquoi tu l'as mis là? Je sais pas, comme ça. Bon les amis. Comme ça, parce que je pourrais. Ouais, on commence par le salé, non? Bah oui. Le salé, les gars, l'omelette, j'en mange tous les matins, mais ça, jamais des comme ça. Hein. Avec une petite tomate cerise, c'est bien. C'est vrai qu'en vrai, là, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la folie, ce matin. Moi, je la mange comme un grec. Hein. Bismillah. Oh Seigneur, merci pour ce bon repas. Bismillah. Est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît, des fourchettes? Tiens. Elle est succulente. Elle est succulente, Sofiane Lemaire. Ouais. Vraiment. Même une omelette, elle est succulente comme ça. Et c'est un chef pâtissier qui l'a fait. Mmh. Qu'en penses-tu? Les œufs brouillés, c'est la vie, les gars. Mais là, les œufs brouillés, comme ça, ils ont un goût spécial. Mmh. Là. Okay. Non, c'est bon, t'inquiète. Profite. Est-ce que ils peuvent me faire aimer des épinards? Les épinards, ça va, c'est bon, en vrai. Voilà. Je comprends l'expression, t'as grandi avec des couverts en or dans... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les épinards, est-ce qu'ils sont bons? C'est bien. C'est des épinards, quoi. Y'a rien de... Des grandes pommes de terre. Les gars, le salé le matin, c'est incroyable. Mmh. Mmh. Waouh. C'est incroyable. Avec des bons champignons. Comme ça. Les champignons, ils sont bons. Ouais. Ils sont bien assaisonnés et tout. C'est ouf, mets-les dans tes omelettes. Là, les gars, je vous explique. Hier, on arrive à 14h30. Aujourd'hui, on doit libérer la chambre à midi. Je suis dégoûté. Mmh. J'aurais kiffé rester là. Vraiment. Tiens, je vais tout prendre. Les gars, ils ont toastiné les tartines. C'est vraiment un repas de... De hell. Il n'y a pas de Sofiane. Mange pas sur le lit. J'ai le droit. Hop là. Il a mis du bon beurre. Tu vas la transférer dans ton chocolat chaud. Mais je pense que je vais quand même mettre un petit peu de confiture aussi. Ouais, c'est quoi comme confiture? Moi j'aime bien, personnellement, je sais pas c'est quoi vos chips. Moi, ma confiture préférée c'est figue. Et après en top 2, abricot. Ça c'est quoi que t'as pris là? Abricot. Waouh. Ils ont une petite cuillère spéciale. Ah ouais, ça, c'est... vous savez que quand vous mangez du miel, faut prendre une cuillère en bois. Pour
pas perdre de goût. Pour pas perdre le goût et les saveurs. Et puis ça, ils ont bien mis généreusement. Ceux qui arrivent à trouver le prix exact d'une nuit ici, c'est un boss. Regarde bien, tu traînes. Oh là là. C'est incroyable. Quand même. Quand même. Bon, on décale, on a bien mangé, on a tout vidé. La chambre elle est un peu en bazar. À ton avis, quand on va revenir, ça sera rangé? Je sais pas. Attends, je vais peut-être enlever les affaires de. Ouais, si je veux faire le lit. Tac. Donc là, on n'a rien laissé. Hein. J'ai pris des trucs dans mon sac, les petits pots de miel, tout ça pour ma mère. Vas-y, on va à la salle et on va voir si tout sera rangé dès qu'on va rentrer. Là, les gars, on est à la salle et il y a une porte secrète. On n'avait pas découvert ce que c'était. Wow, c'est quoi? C'est un hammam. Genre, dedans, c'est grave chaud. C'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Oh, la fenêtre. C'est, là, c'est l'enfer. C'est oh, grave chaud. Je préfère la piscine. Bon, les gars, on est à la salle. Je vais vous faire montrer le meilleur exercice pour le dos. Incroyable, et je vais essayer de faire mon record. Mon record, c'est à peu près 12-13. Je pense que tout ce qu'on a mangé, les burgers et tout, je peux faire un appel. Une. Je fais pas des comptes à deux. 15e. T'as réussi à en passer 15. Réussi à en passer 15, après on continue direct sur ça. Le dos? Ça c'est un rameur, c'est grave bien. Comme ça t'appuies bien le dos, tu vois. Je prends ça, hop. Ça c'est comme si tu étais dans un bateau en mer et tu deviendras. La puissance subhanallah. Donc on va faire un peu de sport, on se retrouve à la piscine d'été. Changement d'ambiance, j'ai fait une bonne séance d'une heure. Avec ce fun, on va s'amuser. Moi, je vais faire du skateboard avec ça. Et ce fun, il va tester les palmes. Et je sais pas si c'est les mêmes. Je sais pas si c'est les mêmes. En tout cas, c'est, hey, c'est grave bien le Brash Paris. Vraiment, si vous voulez venir, avec Sofiane, on vient un rêve. Incroyable. Moi, je pense après les mêmes tailles. Ouais. Vas-y, bah, mets-les là, c'est quoi? Il y a des trucs pour se poser. Il y a une salle. Et raconte les bouteilles d'eau, comment on s'est couillé. On s'est pas fait couiller. En fait, on savait pas, mais on a payé. Combien t'as payé? 3 petites bouteilles d'eau, 10,50€. Non, 17,50€. 17? Bah oui. C'est pas 10€. Mais non. What the fuck? Et en plus, là-bas, il y a de l'eau gratuite. Mais la prochaine fois, on sera. Ah, ce qui paraît, quand tu mets ça, c'est grave cheaté. On va tester ça tout de suite. C'est dommage, j'ai déjà compté deux trucs là. T'as dit quoi? C'est dommage, je suis là, ils sont en leçon, parce que j'aurais bien voulu. Non, leçon, ouais, parce que là-bas, il y a des leçons, regardez, ils apprennent à nager. Mais bon, c'est pas grave, on passe à côté, ils disent rien. Oh, les sop bas. Tu pourrais jouer au foot avec? À mon avis, tu. On ferait mieux que l'équipe de France, à mon avis. Et les croix des vrais, hein. C'est sûr. Bon, les frères, est-ce que c'est cheaté? Après, je vais aller faire du skateboard. Putain, j'allais dire qu'on doit partir. Yassine et Omar, ils vont nous tuer dès qu'on va rentrer. Allez, c'est parti. Normalement, tu nages grave vite avec ça. Let's go. Et celui qui demande ça, c'est un maillot de bain. C'est fait exprès pour le bain. Elle est froide, hein. Là, c'est hyper chaud. Là, hyper froid. Allez, let's go. Dis-nous si. C'est pour nager en dehors de l'eau ou sous l'eau, à ton avis? Faut nager. Bah, essaye, fais selon tes ressentis. Il sait pas si faut nager en dehors ou sous l'eau. Mais normalement c'est grave, tu t'es là, là t'es poisson Sofiane. T'es plus Sofiane. Elle essaye sous l'eau. Waouh! Eh vraiment ça bombarde, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça bombarde à la mort. Regardez, il est déjà au bout. Il est déjà au bout. Wesh! Eh t'es Mbappé sous l'eau. Tu vas vite là. C'est quoi tes impressions? Non, franchement les gars, c'est vraiment incroyable. Tu vas vraiment grave vite sous l'eau. À la plage, ça doit être un truc. Ouais, franchement, pour aller explorer sous l'eau, ça doit être pas mal. Vous connaissez, je suis casse-cou, on va faire du skateboard. Je sais que c'est impossible, mais on va essayer. Tu vas te fusiller, toi. Ah, mais c'est grave petit. Oh, pas mal. Je suis pas tombé. C'est moi qui l'ai mis à la mer. Eh, je suis mort. Hey, c'est moi qui l'a mis à la mer, c'est pas lui. Bon, en vrai, quand on était bébé, enfin quand on était petit. Donc petit, ça passait, mais là c'est mort. Là c'est mort. Mais je vais essayer de nager avec ça pour voir si c'est comme un volant de voiture, genre. Oh, c'est Omar. C'est la direction. Attends, on va essayer de tourner à droite. Fais un traîneau à droite. Oh, c'est Omar. 1 hour later. Younes. Ouais, c'est fini, ça y est, on doit y aller. Quoi? Ça y est, frérot. On doit partir là. On doit aller faire notre douche et ça y est, on doit libérer la chambre. Oh putain, mais non. Allez, dépêche-toi là.
Tu vois, c'est dur que pour toi. De retour pour les dernières minutes. Est-ce qu'ils ont refait la chambre? Suspense. Non, ça veut dire non, cassez-vous. Voilà. Ça veut dire cassez-vous vite, cassez-vous. Putain, le massacre, on a vraiment massacré Tidej. US, t'es où? On y va là. Mais quoi, putain, laisse-moi tranquille, moi je reste là. Je t'ai dit non, pourquoi je vais te cacher à côté des bouteilles d'alcool là? Moi je reste là, j'ai pas envie de partir. Pense à ta santé un peu. Putain, on va revoir les autres là. C'est pas grave, je t'ai dit, hey, les abonnés ils vont mettre 10 000 likes ou pas? Tu t'as confiance en eux ou pas? S'il y a quoi? S'il y a 10 000 likes, tu m'invites dans un autre hôtel? Ouais, on part. Vraiment. Je te serre la main. Les gars, s'il vous plaît. Non, mais je vous regarde vraiment, s'il vous plaît. On va aller voir Yacine et Omar là. Enfin, Omar, je sais pas, mais Yacine déjà. Et vas-y, 10 000 likes les gars, 10 000 likes. 10 000 likes, faites pas les crevards, hein. 10 000 likes, comme ça on repart. On se met bien quand même, frère. Avec tout le monde, on repart. Ouais. Au pire, on les invite cette fois-là, je pense qu'ils vont être heureux. Vas-y, let's go. Ah, c'est à quoi, c'est là que t'arrives? Comment ça, c'est à Maricou? Il n'y a pas de Maricou. Attends. Laisse ta valise, on repart. Vas-y. On repart. Et nous? Tu te fous de nous? Comment ça, moi, je reste là à la maison avec lui, tranquille. Moi, je suis une babysitter, moi, vous me laissez pas dans deux jours, lui? Je suis une babysitter? Vous avez oublié ce que vous m'avez fait? Moi, je suis un babysitter, moi, en fait. Il me fait croire 24 heures que j'allais avoir une nouvelle femme pour marier. Tu sais quoi? Je vais t'inviter à faire quelque chose. Je t'invite à prendre la porte. Ah, vous voulez qu'on reparte à l'hôtel? Ça y est! Non, tu pars pas à l'hôtel! Ah, vous voulez qu'on repart? Vous voulez qu'on repart? Sinon, on repart, hein! Ah, on repart! Bah, tu sais quoi, tu repars? Dis wallah, je repars! Vas-y! Pas vous! Nous, pas vous! Passe-moi juste ta sacoche et tu peux repartir! Allez, halala, c'est là, vous me laissez Omar pendant deux jours! Moi, je suis un babysitter, il fait n'importe quoi, en plus pendant deux jours, il fait le halala dans la maison! J'ai rien fait! Pendant que vous passez à l'hôtel et vous la coulez douce! C'est quoi ça? Déjà, on a un truc à vous dire! Il y a des petites surprises qui vont arriver pour vous. C'est de une et de deux, il n'y a pas que ça. De deux, il n'y a pas que ça. On a fait un petit défi avec les abonnés. S'il y a 10 000 likes, on repart ensemble. Tous? Ouais, je vous ai ramené des cadeaux. Des cartes Pokémon? Non, encore mieux. J'ai pas trouvé des cartes Pokémon. Toujours quand on part en voyage. Je sais, on va voir des cartes. Voilà, il est Omar. Tiens. Yacine. Toi, Yacine. Le chapeau de l'hôtel. Merci. Ça pouvait pas. Oh, voilà un peignoir et voilà des claquettes. Après, je vais pas envie de t'insulter parce que c'est le geste qui compte. Ouais. Mais tiens.